kanisa ya Kristo. Bado ingali hapa. Eh encore là. Et hawajui. Ile safa. Na wajali. Eh safu. Sasa kanisa itaondoka. Quand l'église sera enlevée. Itakuwa ajabu. Yaani kanisa hii. L'église. Kama vile Loti. C'est comme Loti. Kama Sodoma na Gomora. Dans Sodoma na Gomora. Wakati angali pale. Les choses vont changer. La Bible dit celui qui stoppe les destructeurs. Le Saint-Esprit qui est dans les chrétiens, dans les croyants, quand les croyants vont sortir, ce sera un problème. Bien aimé les amis, le pays puissant, les gens qui des fonctionnaires dans les pays en guerre, pour que les choses soient vraies. Vous allez voir les diplomates. Qu'est-ce qu'on fait de ces? Est-ce qu'ils restent là? Non, on les évacue. Amen. Amen. Cela avec des nationalités supérieures. Il y a les trois. T'as une nationalité. Amen. 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 Pendant que s'il y a un temps de guerre qui va venir, si tu n'as pas cette nationalité, si tu n'es pas un vrai chrétien, ne pense pas qu'être chrétien c'est seulement aller seulement à l'église. Ne pense pas qu'être chrétien c'est prêcher quand je prêche. La Bible dit, et en ce jour-là, beaucoup viennent. Beaucoup. Si on charge, pas peu. La Bible dit, on a prêché un bon nom. On a même opéré. Qu'est-ce qu'il a dit? Je ne vous ai pas connu. Les chrétiens qui seront enlevés, c'est celui-là qui a cru en Jésus. Jésus était le Seigneur de sa vie. Qu'est-ce que c'est? C'est lui qui dirige sa vie. Si tu es le Seigneur, c'est-à-dire que c'est lui qui a le droit de veto. C'est pourquoi lui qui dirige. Le problème c'est quoi? Nous avons un seul corps, mais c'est deux têtes. Mais si le Seigneur, les choix restent à lui. Et tu n'as pas à lui dire que. Oh, tu vois, Seigneur, on peut faire ça. On peut aller au rond. Est-ce qu'on peut aller discuter? On peut aller dialoguer? Oh, vous les sommes. Non, lui, c'est le vrai homme. Lui, on peut pas le corps. Le choix, c'est pour toi. Si tu l'acceptes ou non, si tu le réalises ou non, mais si tu le réalises, il devait contrôler. Il devait contrôler tes pensées. Il devait contrôler tes paroles. Il devait contrôler ta vie. Toute ta vie, il devrait les contrôler. Si ce n'est pas comme ça, quand il viendra, il ne vient pas à cause de toi. Il vient pour toute personne qu'il y a donné. Il a accepté de donner
Dieu me sert à ma chère au quoi que tu as laissé ta vie en Christ. Ou bien tu donnes la moitié, tu gardes. Il est le Seigneur, il est le Dieu jaloux. Tu ne peux pas les mélanger avec une autre personne. C'est contre moi. Et non, personne. Mais moitié, moitié. Non, il n'y avait pas. Lui, il est le Dieu jaloux. Si tu ne donnes pas ta vie, complètement. Donne ta vie à 100%. Il ne peut pas patienter, il ne peut pas résister avec une personne. Lui, il est le Dieu jaloux. Est-ce que tu lui donnes ta vie entière ou non? Ou bien une chambre est à l'intérieur et l'autre est à l'extérieur. Amen. Amen. Un petit problème, tu vas dire, j'abandonne Jésus Christ. Laisse-moi te dire, nous avons crié en Jésus. Pas à l'époque. Mais il faut aussi accepter à cause de lui. Accepter à mourir à cause de Jésus. Pas seulement dans la joie, pas de bonnes choses. Même dans la souffrance. Jésus est passé. Il a dit dans ce monde. Tu vois l'état islamique qui se tue. Avec un chrétien, s'il tue les chrétiens, et on leur dit bon, et on leur dit qui le pousse de ne pas voir, il voit autre chose, qui est le mensonge, mais bien aimé dans le Seigneur, toi qui as initié, est-ce que tu es prêt? Prenez ta vie. Tu vas dire peut-être. Mes enfants. Laisse-moi te dire. Baba, le papa et le papa. Si tu vas mourir à toi, c'est à ta enfant. Il va prendre soin de ses enfants. Ses enfants, il prendra soin d'eux. Oh, mes enfants, oh, j'accepte. Laissez la foi. Oh, ma femme. Oh, je suis célibataire. Je suis pas marié. Tu penses que être marié, tu peux être marié. Tu peux être marié. Le problème, c'est quoi? Si tu fais tout, fais dans la gloire de Dieu. Dans la volonté de Dieu. Pas si pour eux. Ceux qui ont l'argent, ils n'ont pas la paix. Ceux qui ont
millions de choses n'ont pas la paix. Il va garder silence devant toi. L'ancien gars, il va prier. Dieu qui vit, Jésus-Christ vivant, toi qui aimes l'Église, toi qui nous connais, tu nous as aimés, tu nous as aimés. Et jusqu'à ce que nous qui étions pécheurs, mais tu nous as toujours aimés. Nous sommes devant toi aujourd'hui. Nous prions pour l'Église. Je prie pour tout un chacun de nous. Nous sommes touchés par ta parole. Nous sommes touchés par ton amour. Nous te supplions, Dieu. Fais-moi grâce. Fais grâce à l'Église. Fais grâce à ce monde. Fais grâce à ce papa. Fais-nous grâce, Seigneur. Nous comptons toute notre vie à toi. Contrôle nos lèvres. Contrôle nos sentiments. Contrôle nos pensées. Et jusqu'à ce jour, quand tu viendras, Seigneur, nous allons être un jour pour t'accomplir. Aide-nous à être prêts. Aide l'Église à être prêts. Au nom de Jésus, je t'ai pris, Seigneur, que toutes ces manches, que le diable a semé dans le cœur du chrétien, qu'il ne te pleut pas, qu'il veut qu'il soit distrait, pour qu'il puisse perdre sa position. Nous l'enlèvons au nom de Jésus. Je prie que ta puissance puisse aider l'Église et qu'il puisse m'aider pour être prêt et te voir, pour vivre ta parole. Et maintenant, quand nous serons prêts, ton cœur ne va pas s'éteindre pour nous parler. Même quand on sera au travail, quand on sera à la maison, quand on sera à l'école, tu vas nous aider de prendre une bonne décision. Nous bénissons Dieu. Nous te disons merci. Au nom de Jésus-Christ. Amen.